Je suis Raffaella Crispino, je suis un'artiste di origine italiana che sono stata a Bruxelles depuis plusieurs années. J'ai une pratique assez multidisciplinaire. Je travaille vraiment avec beaucoup de médiums différents. Ma manière de travailler part souvent à partir d'une question. Ce sont toujours des questions assez larges et assez différentes. Qui può essere sulle voyage, ça può essere aussi su des questions botaniques, ça può essere des questions féministes, ça può essere vraiment assez varié. Et depuis là, ça commence un processus de recherche qui touche la littérature, le cinéma, l'actualité. Il y a les personnes que je rencontre, il y a des anecdotes, il y a tous des éléments. Et moi, je suis toujours là, mais je fonctionne comme un filtre. Mes œuvres sont à la fois esthétiques, à la fois conceptuelles, et riches des anecdotes, et riches des recherches. Et dans chaque œuvre, chaque élément formel ou intellectuel rebondit et s'ouvre à des autres histoires, à des autres liens. Comme une boîte chinoise, on ouvre et à l'intérieur il y a une autre, et puis on doit trouver la juste manière pour ouvrir, et on ouvre et il y a encore une autre, il y a encore une autre, il y a encore une autre. J'ai pas peur d'aborder des sujets ou des matières complètement différentes. Au contraire, ça m'excite, ça me pousse à faire encore plus. Et finalement, c'est cette manière d'approcher à toute cette différence qui devient finalement mon langage. Quelque chose qui m'a beaucoup formée, ce sont les résidences. J'ai vécu presque un an au Japon, au CCA Kita Kyushu. J'ai fait différents projets résidences en Israël pendant un an. L'envie que j'avais derrière cette résidence, c'était cette envie de déplacement, de me perdre, de me retrouver, de découvrir des sociétés.